Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment personnaliser votre réunion virtuelle que vous faites sur votre site internet. Donc déjà, nous allons, alors attendez, je vais bouger ça, voilà. Donc là nous sommes sur mon site internet, nous allons dans Back Office et mes réceptions. Voilà. Et ensuite, vous descendez et vous cliquez sur « Planifier une nouvelle réunion ». Donc là, c'est l'endroit où vous ouvrez votre réunion virtuelle, donc à votre nom, moi, comme je vous conseille toujours. Comme ça, c'est vous qui gérez les moitiés prix et les gains de vos hôtesses. C'est quand même plus simple. Donc moi, je fais toujours « Je vais organiser cette réunion ». Donc, je clique dessus puisque c'est toujours moi l'hôtesse. Donc, nous sommes bien en France. Et là, vous avez un thème. Donc, le thème, ça a pas, c'est juste en fait que l'image, c'est l'image que les personnes vont voir quand elles vont cliquer sur votre site internet. Donc, vous avez en ce moment, à chaque fois, vous avez des cadeaux clientes. Donc, c'est l'offre du mois, le cudo. Et ensuite, vous avez des thèmes appropriés par rapport au cils, aux lèvres, au rouge à lèvres, eyeliner. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, du coup, vu que là, on est le 13 avril, du coup, je vais ouvrir une réunion qui sera encore en rapport avec l'offre du mois. Donc, je clique dessus. Et ensuite, je fais personnaliser cette réunion. Et là, c'est là que tout commence, que vous allez pouvoir vraiment personnaliser et enlever, en fait, le texte qui est déjà préenregistré. Parce que moi, je trouve que c'est pas... le texte n'est pas super, donc je préfère le changer. Donc, déjà, vous avez donc cliqué sur personnaliser. Vous cliquez sur personnaliser, vous allez arriver dans le nom de la réunion. Donc, moi, ce que je fais toujours, je n'écris pas réunion virtuelle cadeau client, je vais écrire tout simplement Jenny Morbois, ambassadrice pour Unique. Enfin, ambassadrice Unique. Tout simplement. Comme ça, les gens, quand ils cliquent sur votre réunion virtuelle, ils savent tout de suite qu'ils sont bien tombés sur votre site. Donc, Jenny Morbois, ambassadrice Unique. Voilà. Ensuite, vous pouvez changer la photo. Donc là, vous avez vu, c'est écrit en anglais. Donc, je ne sais pas s'il y a en français ou quoi, voilà. Ah bah si, c'est sélectionné en français, mais ça ne s'écrit pas en français. Mais ce n'est pas grave, à mon avis, ce sera écrit en français après. On va mettre celui-là, par exemple. Non, on va mettre celui-là. On va mettre l'offre spéciale client du mois. Donc là, c'est écrit en anglais, mais c'est bien affiché en français sur votre site ensuite. Hein. D'accord ? Ensuite, c'est là, vous avez le message facultatif. Donc, normalement, c'est écrit « Prenez soin de vous, faites-vous belle avec le cadeau client ». Moi, je trouve que voilà, c'est nul. Donc, je mets mon texte. Alors, moi, je le fais copier-coller parce que j'ai déjà mon texte que je mets tous les mois. Donc, je vais vous le lire, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je mets toujours « Bienvenue sur mon site internet ». Et là, du coup, j'ai mis ce mois-ci une superbe offre. 30% de réduction sur l'offre de temps parfait. Donc, le bail, machin, j'explique tout. J'ai mis « N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Je suis disponible par message privé sur Facebook, Jenny Morbois. Merci d'avance pour votre achat. » Et voilà. Donc, moi, je mets plutôt un message personnalisé. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je mets « Enregistrer ma réunion », tout simplement. Donc, c'est très simple à faire, mais c'est vrai que c'est mieux. Et vous voyez, quand on clique dessus, du coup, c'est quand même plus sympa. Il y a ma photo, Jenny Morbois, ambassadrice unique. Bienvenue sur mon site internet et j'explique l'offre du mois. Voilà. Donc, c'est quand même plus sympa, je trouve. Voilà. Et ensuite, effectivement, c'est bien écrit en français. Achetez l'offre spéciale cliente du mois. Voilà, les filles. J'espère que ça peut vous aider. C'est une petite astuce comme ça. Voilà. Et bien, bonne journée à vous. À bientôt. Bisous, bisous.